Nous avons eu à Moulins-Gilbert un excellent accueil de la part de notre collègue Monsieur le maire et aussi de l'ensemble des maires du canton qui étaient intéressés par le passage de la vitesse de 80 à 90 km/h, du moins sur certains tronçons. Les questions ont été nombreuses, chacun a pu avoir des réponses, chacun aussi a pu évoquer quelques souhaits et émettre quelques idées qui seront donc étudiées par les services en la matière. Deuxième partie de réunion, c'était donc une phase importante, n'est-ce pas, pour la vie de la commune, qui est donc les travaux sur le Guignon, ce fameux ruisseau qui traverse la commune et qui est couverte en particulier par la voirie et qui passe aussi sous les habitations et sous des commerces. Un gros travail donc de restauration de cet ouvrage d'art important qui est devenu, par la force des choses, un ouvrage d'art souterrain qui aujourd'hui souffre dans ses bétons, souffre dans ses soutènements, souffre dans ses soutiens. Et donc un travail important à faire est allé sur 4 mois qui va lourdement handicaper le fonctionnement de la commune. Nous avons ce soir eu une assistance nombreuse qui a permis aux gens aussi d'évoquer toutes leurs craintes, mais aussi de prendre la mesure de l'ampleur des travaux, l'ampleur technique, mais aussi la nécessité de faire en sorte que techniquement les choses soient correctement faites pour que des travaux d'une telle importance ne se reproduisent pas, ne soient pas dans l'obligation d'être reproduits avant au moins 3 ou 4 décennies.